Salut les amis! Alors bienvenue dans ce labo du jeu vidéo. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais m'excuser pour le rythme des vidéos qui a ralenti, mais en ce moment je suis en plein déménagement. Situation qui devrait être rétablie au plus tard lundi puisque le technicien de chez Free vient me mettre la fibre optique vendredi. Donc ça devrait aller beaucoup mieux après et le rythme des vidéos devrait reprendre un rythme normal. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un gacha asiatique sur le manga My Hero Academia, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous recommande vivement de vous y intéresser. C'est vraiment un très très bon manga. On va tout de suite lancer la partie et voir ce que ça donne sur Android. Parce que oui, ce jeu tourne effectivement sur Android, malgré ses graphismes qui ont vraiment l'air d'être très très bons. Alors déjà la bonne surprise, si je peux dire, c'est que ça a l'air de reprendre le manga du début et de suivre l'histoire. Ça, c'est toujours une agréable surprise de voir ce genre de choses. Canyon Cannon! はい、頑張ります。僕も本気で取りに行く。 La première chose que j'attends d'un bon gacha qui reprend un manga ou qui essaye de s'en inspirer, c'est justement qu'il en reprenne vraiment son histoire. Déjà, c'est un très très bon point. Et les animations ont l'air de suivre en plus, donc c'est excellent. Attention, arrivée d'All Might pour aider Izuku. D'accord, donc le hub sera le toit. Nous avons pour la première fois vu All Might sans ses pouvoirs, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans sa forme originelle. C'est sympa. Everybody say hey! リスナーはこの後 10 分間の模擬市街地演習を行ってもらうぜ。演習場には
仮想ヴィランをさ Le jeu est tellement bien fait que même si on ne comprend pas les dialogues, on a envie de les laisser pour voir les animations. Je vous assure, c'est quelque chose. いいチームプレイができたね。でも、君と会うことは二度となさそうだ。Pour ceux qui connaissent le manga, ils auront reconnu l'épisode des tests de l'académie. Enfin, pour entrer à l'académie plutôt. あと6分2秒。まずい、まずい、まずい。ポイント。Donc un système de combat pas très très compliqué, hein. On a une barre jaune en dessous qui représente la barre de pouvoir qui charge. Et dès qu'elle est pleine, on clique sur le personnage pour faire son attaque ultime. L'espion ! Pouvons-nous espérer une version globale, ou tout du moins anglaise déjà? Ça serait pas mal. Parce que pour un bon jeu, franchement, ça me dérange pas qu'il soit qu'en anglais. Même s'il est pas en français, ça ne me dérange pas. Après, c'est toujours mieux. Mais le temps que c'est une bonne version, anglais ou français, pour moi, ça fait pas une énorme différence. Donc là on est dans la partie tuto, hein, c'est pour ça qu'on nous montre où cliquer. Et malheureusement on n'a pas le choix que de suivre le tuto. Nous sommes toujours contre les robots pour les tests d'entrée à l'académie. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le manga. J'essaye de pas trop en dire non plus. Mais encore une fois, je vous conseille vivement de le regarder. Personnellement, plus les saisons passent, plus j'en suis accro. Avec d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos mangas favoris. Ça peut être un sujet de discussion intéressant aussi. さらに向こうへ。Est-ce que vous croyez qu'à même à deux vous allez m'avoir? Non, je vais vous présenter ou pas, tiens, regarde, tu vas prendre ça dans la tête. Hop, au revoir, y'a plus personne. Je me suis brisé la main après, mais c'est pas grave.
死ぬ。フルシールドラ。限られた時間と広大な敷地、そこから炙り出されるのさ。状況をいち早く把握、知性の平和を守るための基礎能力がポイント数という形でね。進化が問われるのはこれからさ。Je sais pas si vous avez mis autant que moi à regarder, mais moi personnellement, je m'éclate littéralement. J'adore ce jeu. Ah, t'es un peu plus gros, toi. Attentique 脅威. これを目の前にした人間の行動。転んじゃったら縁起悪いもん。スマッシュ！え、là、je viens de me péter le bras、mais tout va bien。試験終了。はい、お疲れ様。お疲れ様、お疲れ様。はいはい、グミだよ。グミを食べ。あのマドマーゼル、雄英の屋台骨だ。おや、自身の個性でこうも傷つくかい。Je suppose que c'est le système d'invocation. Puisqu'on peut voir les tickets là sur le côté. Moi j'ai un ticket mauve qu'on peut voir ici. Ouais, c'est ça, c'est les bannières. Alors, que va-t-on avoir ? Ah, alors lui il me fait rire. Parce que son attaque en fait, c'est qu'il tire un rayon laser avec. L'espèce de perle qu'il a sur son ventre. Ça, c'est marrant. On va l'ajouter à l'équipe. Alors ça, c'est un des profs de l'académie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je trouve qu'après All Might, c'est le prof le plus badass de l'anime. Mais clairement, quoi. Et voilà, là on est donc rentré dans l'académie. Bon, les uniformes sont pas tip-top, mais bon, nous allons apprendre à devenir des C'est parti. Il me fait trop marrer. Sente, hisho. Et un petit coup de nombril. C'est moche.
Hop, un petit journal. Et ben, coéquipier de plus. Alors pour ceux que ça intéresse, ça fonctionne merveilleusement bien sous BlueStack. Et c'est même la version 64 bits de BlueStack que j'utilise et franchement, il tourne bien dessus. Pas de ralentissement, pas de lag, les graphismes sont impeccablement bien retranscrits. Il n'y a rien à dire. Encore un combat rondement mené. Une petite récompense. テストの再開除石って。自然災害、大事故、そして身勝手なヴィランたち。いつどこから来るかわからない厄災。日本は理不尽にまみれている。そういうピンチを覆していくのがヒーロー。放課後マックで談笑したかったならお会いに行く。これから 3年間 UA は全力で君たちに苦難を与え続ける。 Alors là, vous voyez pas sa tête, c'est pas parce qu'elle en a pas, c'est parce qu'elle est invisible en fait. Vous ne voyez que ses vêtements. Saranimukoe, Pulse Ultra sa. Zenryoku de norikoete koi. Une petite canette. Ah, et un gant. Donc ça, je suppose que ça va être une partie d'armure. Ou un item utile, en tout cas. C'est ça. Donc on va l'équiper. Et on va même l'améliorer. Alors, au lieu de me broyer le bras, bah, je me broyerai juste la main. Sont généreux sur les diamants en tout cas. Chaque fois qu'il y a une récompense, il y a au moins un petit peu de diamant avec. Plutôt généreux. Minna kufu ga tarinai yo. Kosei o tsukatte ii. Koyu koto sa. Komyo goichi. Nanda koitsu. Aller voir pour équiper les morceaux d'armure qu'on a gagné. Ça peut toujours aider. Ça peut même sauver la vie, j'ai envie de dire. Il
on peut les améliorer, c'est bien. Donc ça, c'est leur place dans l'équipe. J'ai envie de mettre en avant et en retrait, je pense. Oh, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On va les améliorer. Apparemment, là, c'est le système de rang. Contrairement aux autres gacha où c'est souvent un système d'étoiles. Mais ça revient au même. Je pense que ça va de E à A, voire peut-être à S. Je vous dirais si je continue à y jouer et que j'arrive des rangs aussi hauts. Mais à mon avis, oui, ça doit sûrement aller de E à S. Ah, notre cher professeur. Il a vraiment la classe.一撃だけじゃヒーローは務まらん。先生、動けません。こいつ。これ、チビア。じゃあ、パパッと結果発表。 トータルは単純に各種目の評点を合計した数だ。ちなみに除籍は嘘な。これにて終わりだ。教室にカリキュラムなどの書類があるから戻った。明日からもっと過酷な試験の目白押しだ。 Voilà, encore des diamants, comme je vous disais. C'est impeccable, tout ça. オールマイトだ。すげえ、本当に先生やってるんだな。あれ、シルバーエイジのコスチュームね。 画風違いすぎて鳥肌が。私の担当はヒーロー基礎学。ヒーローの素地を作るため、様々な訓練を行う科目だ。単位数も最も多いぞ。早速だが、今日はこれ。戦闘訓練。Hop, on se met les protèges tibia.
Ouais, améliorer le reste, si on a assez de ressources, bien sûr. Donc là, c'est notre jauge de force. Une fois tout ceci amélioré, bon, on va reprendre les combats. ここは入試の演習場ですが、またし…いいや、もう二歩先に踏み込む。ヴィラン退治は主に屋外で見られるが、冬季監禁、軟禁、裏商売、このヒーロー飽和社会、うっほん。君らにはこれからヴィラン組とヒーロー組に分かれて2対2の屋内戦を行ってもらう。Eh ben, battons-nous contre All Might alors. Ah non, Ichiro-Sarge. C'est l'épisode où il y a deux clans en fait. Ils vont être répartis en héros et en vilains. Les vilains vont devoir protéger une espèce de bombe et les héros tenter de la désamorcer. Mais il leur suffit juste de la toucher pour gagner la manche. Ou les vilains les empêcher de la toucher pour remporter la manche. Épisode intéressant aussi d'ailleurs. それでは A コンビ対 D コンビによる屋内対人C'est un peu le système des boîtes de Clash Royale pour ceux qui ont joué. Où vous gagnez des coffres au trésor et que vous devez cliquer dessus pour déclencher le chrono. Ça me fait un peu penser à ça. Les cartes de skill. Jetpack de plus, on va l'équiper sur quelqu'un d'autre du coup. Ça te le met à toi. Voilà. L'améliorer un peu.
contre, c'est un peu dommage qu'on puisse pas améliorer plusieurs niveaux d'un coup. Ouais, on va tous les monter à 16. Ah, tu peux mettre une carte de skill aussi. Toi, non. D'accord. Bien sûr, plus on les monte, plus ça coûte cher de les monter, ce qui semble logique. Pour vous situer, la fameuse bombe, c'est celle-ci. Là, à mon avis, elle est juste représentée pour l'environnement et on n'a pas d'interaction avec. Je ne pense pas en tout cas. C'est massé ! Shizuak ! Du coup, ça nous fait des combats en semi-automatique, j'ai envie de dire. C'est pas forcément ce que je préfère, par contre, mais pourquoi pas. C'était donc la présentation de la version asiatique de My Hero Academia en gacha sur Android. J'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, je trouve pour les bons points qui suit exactement la trame du manga et de l'anime. Et ça, franchement, c'est excellent. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que ce jeu est réservé vraiment aux fans de l'anime ou à ceux que les combats au tour par tour ne dérangeront pas, parce que du coup ça fait des combats un peu simplistes et minimalistes en semi-automatique comme ça, et je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je pense que je vais continuer à jouer à ce jeu encore quelques temps pour voir ce qu'il va donner sur la durée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous l'aurez regardé. Allez, salut, bye bye.